Salut à tous, c'est le 18ème épisode. 18ème. Bon, je vais arrêter de gueuler quand je dis le numéro de l'épisode. Parce qu'au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on va bien finir par arriver au 25, 30ème. Donc, je vais arrêter de gueuler. Hein, promis. Enfin, je vais essayer. Bon. Pourquoi je ne suis pas rentré dans l'arène tout de suite? Parce que ça. Parce que combat avec Kalem. C'est du sérieux. Ça ne rigole pas. Monsieur a un Absol. Un starter, une évolution, et oui, Mystérix, c'est lui qui ne me revenait pas à l'esprit. Dimoclès, meilleur Pokémon de la Terre. Je ne peux pas prendre Bluff, ça c'est quand même assez sympathique. Une petite Dance Slam pour la route. Ça je le prends tous les jours avec Ombre Portée. Voilà, tranquillou. C'est formidable. Et du niveau par milliers. Pyrolier. Je tiens un bout de feu de Pyrolier, niveau 44. Hein. Arrêtez. Arrêtez, pour qui vous me prenez? Ouais, morsure en plus. Alors, avant que tu joues le flinch, saligo. Voilà. Et tu ne l'as pas, c'est bien fait pour toi. Par contre, je ne tiens pas la tranche nuit d'Absol. Ah, quoique si je tiens pas un tranche-mine d'Absol, je tenais pas un bout de feu de Pyroli. Hein. Je dis n'importe quoi. Amphinobi. Ouais, mais vibre obscur. Et ça, c'est un problème. Qui gère Amphinobi à merveille? Noacier le fait. Noacier peut remplir ce rôle. Oui, méga fouet, évidemment. Superbe animation. On peut faire ça pendant 5 jours. Ah, ça va. Critique. C'est pas grave, mais pour le principe, ça me dérange. Voilà, excellent. On n'a plus qu'Absol à battre. On a Stratopercute. Mais je pense qu'on ne l'a pas en un coup. Oh, quoi qu'il a pas de défense. On va y aller pour Stratopercute. Il a pas de défense. Ça passe tous les jours. Mais depuis quand il a des défenses lui aussi? Franchement. Ah voilà, si ça c'est un critique. On aurait pris 24 PV sans le coup critique. Vous voyez avec acrobatie. Oh, on est plus rapide. Ouais, quand même. C'est triste pour lui. Scorplane bien meilleur que beaucoup de Pokémon sous leur forme finale d'évolution. Ce qui est le cas de pas mal de Pokémon qui ont obtenu une évolution dans le futur. Je pense notamment à Porygon 2. À Cochignon. Enfin, Cochignon il est jouable avec un Evoluroc. Hein. C'est vraiment c'est possible. Terraclope est même meilleur que son grand frère là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dusk Noir, mais c'est pas ça son nom en français. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon là-dedans? Alors, on a Morsure. J'ai pas envie de mettre Divoclès sur tous les combats non plus. Voilà, on va soigner quand même. Parce que bon, Dimoclès il s'occupe de tout le monde, donc autant qu'il soit en pleine forme. Quelle belle équipe, hein. Pff, oh là là. Quelle chance. J'espère que l'échange miracle sera conservé dans Ruby Omega Saphir Alpha. Si tel est le cas, alors vous vous doutez bien que je vais refaire un Wonderlock dans Rosa. Voilà. Arène la plus facile du monde pour éviter les dresseurs. Enfin, vous vous faites pas piéger quoi. Là on n'a pas trop de choix. On est obligé de passer par là. Lionel le kinésiste. Ils auraient mieux fait de mettre juste le kinésiste hein. Il perd en crédibilité. Ça a de la défense physique ce truc je crois hein.
On va y aller pour Ebulida, au pire si ça suffit pas. Mais ça suffit. Alors par contre je voudrais m'arrêter sur quelque chose, c'est le design de noix de coco. Noix de coco. Donc on voit bien que c'est un arbre, c'est censé être un cocotier. Déjà, première chose, est-ce que ça a l'air d'être des noix de coco ces têtes? C'est jaune. Deuxième chose, et c'est pour moi la plus importante, Nanuf, pierre plante, noix de coco. Vous voyez pas comme quelque chose qui vous dérange? Ça veut dire que des œufs, vous prenez une boîte de 12 œufs, ça devient un cocotier. Quoi? Quel est le mec qui a inventé ça, sérieux? Allez, chez Game Freak, ça prend des substances tout à fait immersives dans le monde imaginaire. Voilà, je nettoie un petit peu l'écran du PC sur lequel je postillonne allègrement. Voilà, on se fait chier, y'a pas de dresseur, c'est même pas une énigme. Il est où le labyrinthe, sérieux? Voilà, là faut pas passer au premier, faut passer au deuxième. Voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est beaucoup trop facile. Tellement facile que je ne prends même pas la peine d'aller combattre les dresseurs. Sérieusement. Un seul chemin. Le bruit des pas est assez insupportable. Ça résonne dans mes oreilles. Surtout que dans le casque, j'entends absolument tout. Voilà, alors, jeune fille, tu me fais très très peur. Oh, mais même avec la croix directionnelle, je fonce dans les murs. C'est assez terrible, mince. Je veux reculer la chaise. Ça vous donne l'impression que je fais des gestes particulièrement équivoques. Ce qui, je vous le promets, n'est pas le cas. Bon, allez, Dimoclès, tu vas me gérer tout ça. Magnifique étoile Pokéball derrière, dans les cieux. Astera, d'accord, ça fait plaisir de voir la petite sœur d'Astérix. Cryptero, d'accord. Je me rappelle absolument pas des Pokémon de cette championne. Je m'en rappelais même pas de son nom. Ah oui, c'est un mec qui pose les murs. Oh, mais Cryptero, c'est un portugais. C'est un mec qui pose les murs. Allez, on bourre des dents slam. Il va pas faire mal. Ah, tant qu'il baisse pas la défense spéciale, aucun problème. J'en place une troisième, comme ça j'assure le combat entier. Voilà. Confirmation, Cryptero est bien portugais. Voilà. Tranquille. Oh bah coup critique. Rien à foutre de la protection. J'en ai strictement rien à foutre. Excusez-moi, petite séance recoiffage. Vous avez remarqué que mes cheveux sont beaucoup plus courts depuis quelques temps. Comme ça, vous ne pourrez plus me dire que je ressemble à Super Connard. Tranquille, mais rien à foutre de la protection. Au HKO de tout le monde. Dimoclès de la dissidence. Et il y a même plus de protection. Ah bah alors là, je vais tellement te la mettre profonde avec mes deux épées. Dimoclès, bien meilleur design que Exagide. Quelle classe ce Pokémon, vraiment. Enfin. Monorpal, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit un Pokémon. Et Exagite non plus. Dimoclès, à la limite. Je veux bien ouvrir le débat. Mais on va pas en débattre pour autant, parce que sinon, on va s'écharper. Et ce serait désagréable. Bah écoutez, une arène faite, enfin, conclue avec une facilité déconcertante.
C'est combien? C'est le sixième ou le septième là? Ça fait beaucoup. Attendez, je vais vous mettre ça. Voilà. Vous avez les badges. Excellent. Plénitude, bon, je ne m'en servirai pas. Oui, ramène-moi à l'entrée, s'il te plaît, comme le Abra de Pokémon Colosseum dans le Mont Bataille. Génial. Allez, on se casse de là. Par contre, je sais plus ce qu'il faut faire dans. Ah bah, attendez, on a un. Ta revanche, non, bah, t'es gentil, je viens de faire un combat d'arène. Ah oui. L'abolissant. Aelumis. J'avais oublié. On va devoir torcher tous les sbires de la Team Flare. Voilà. Alors, on se casse. Ah oui, non. Chiantise absolue. Il faut aller chercher Passe Rouge au PC. Parce que Passe Rouge à vol. Et ça c'est très très chiant. Parce que sinon on pouvait combattre avec 5 Pokémon, hein, mais bon. Mais non, voilà, on fera pas ça. Ok, par contre, le Labolissant c'est du sérieux, il y a des Pokémon très chiants partout dans la zone. Enfin, tous les dresseurs ont des Pokémon chiants. Beaucoup de Pokémon de combat, beaucoup de Pokémon de ténèbres. Heureusement, on a Scorplad. Qui gère très bien les deux. Moi, je rééchange. Il n'y a pas de raison. Et on va commencer avec. Ah, et bien sûr qu'il est niveau 56, il a 9 chances. Tu m'étonnes. Ah, attendez, on va le filer à quelqu'un d'autre quand même. Bah, tiens, un Scorplane. Parfait. Comme ça, il va. Oh non, me dites pas. Ah, il faut soigner. C'est pas grave. C'est pas la plus grande perte de temps qu'on ait eu jusque-là. Bon, pas d'échange miracle dans cet épisode. Ça vous avait manqué. Et ça y est, je vous l'enlève encore de la bouche. Échange miracle, bien sûr. Voilà. Alors, il faut combattre les deux parce que sinon on peut pas ouvrir la porte. Allez, encore un petit combat. Enfin, deux au moins. On doit combattre Lissandre après, je crois. Je crois qu'on combat Lissandre. Alors qu'une. Excusez-moi. Alors qu'une fatigue extrême prend part de mon corps. Par contre, pas de sang glace à la con, hein, s'il te plaît. Pas de conneries comme ça. Ah, oh, pied voltige, c'est bon, tranquille. Je gère. Parfait. Voilà, plus de bagaïdes, c'est très bien. Tranquille! Alors, par contre, elle là-bas, je sais pas du tout ce qu'elle a. Aucune idée! Ah oui, Leopardus. Bon, ça va, on a Stratopercute. Mais bon, Absol tout à l'heure, il a bien tenu. Oh, quoique lui, il a une défense en mousse. Oh, s'il le tient, vraiment, je suis un peu déçu. La force est avec moi. On a presque les niveaux pour la ligue. Alors qu'on n'a même pas le dernier badge. Bah, le mot de passe Sésame, ouvre-toi. Hein. Un mot de passe aussi efficace que 1, 2, 3, 4. Ou 0, 0, 0, 0. Ou votre date de naissance. Allez, petit combat contre Lissandre, on va lui montrer c'est qui le patron. Qui a la plus belle couleur de cheveux. Allez, Scorplane qui fait le taf. Aucun problème, on aurait pu prendre un bluff, mais non. Tant mieux. Ça nous évite de perdre un tour. Eh, ça y est, dès qu'on met 9 chances, hein, ça va beaucoup plus vite.
Léviator, alors. Alors, je pourrais envoyer Colimucus pour faire tonnerre, mais cet idiot-là, il pourrait très bien avoir mania, et je pourrais me faire avoir. Voire colère. Colère, ça m'étonnerait, mais enfin. J'ai pas envie de prendre ce risque. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envoyer. Ah, on va faire ça. Ah, mais il a intimidation. Ah, mais oui. J'ai les Voluroc, hein. Non, on va envoyer nos aciers. J'ai pas envie de commencer à faire des conneries. Je pourrais le regretter. Ah, mais intimidation, ça c'est chiant ça. Bon, on va faire malédiction. De toute manière, il ne peut pas me faire grand chose. Ouais, c'est parfait. Il n'y aura pas provoque, hein. Ok, j'augmente encore mon attaque. Là, c'est pour l'attaque, hein, c'est pas pour la défense. Si on peut éviter le critique, ça me fait plaisir. Voilà. On a un boost en attaque. Deux drops en vitesse. Bon, ça change pas grand-chose. Là, normalement, on les tient easy. Voilà. Pas de miss sur roulade, s'il vous plaît. Bah là, on est en pilote automatique. Par contre, un coup critique. Oh non, s'il te plaît. Hyper potion. C'est rare, hein, que j'utilise un objet sur un Pokémon, qui est sur le terrain. Ah, je sais pas s'il a du feu derrière. On va refaire un malédiction. Comme ça, on est tranquille. Allez, le coup critique, il est arrivé. Avec un coup critique, il me tue pas. Il vient d'en faire un, il va pas en refaire un quand même. Voilà, on tient tous les jours. Hein. Là, il va avoir très mal. Hein. Oh là là, mais oui, le premier, il fait pas mal. Pas de critique, s'il te plaît! Vous savez que les coups critiques ignorent les boosts des défenses de l'adversaire. Et également les drops d'attaque du lanceur. Donc s'il avait pris deux intimidations et moi j'avais deux boosts de défense, rien à foutre. Représailles, non merci. On a déjà du dé. Oh puis Némélios, forcément. Forcément. Il fallait que ça arrive, un Pokémon feu. Je n'avais qu'à pas faire confiance en ma mémoire. Enfin, je lui ai pas fait confiance puisque je savais pas. En ne croyant rien, on ne peut pas croire de conneries. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a l'avantage du type. Et du niveau, c'est sûr. Cornèbre, sans changer, laser glace et c'est terminé. Il a pas les Voluroc de toute manière. Il a pas farceur, il a pas les Voluroc. Où est le danger? Voilà, c'est parfait. Amphinobi, c'est le patron. C'est lui qui décide. Niveau 57. Oh, oh la vache! Il peut faire la ligue là. Hein. Ah oui, tu te sens mal parce que je t'ai défoncé. On va aller voir dans l'équipe comment il se porte. Ah oui, alors là, il y a l'énigme à la con. L'énigme, on va se faire chier. Je vous préviens tout de suite. C'est très très chiant. Alors, Amphinobi devant. D'accord, parfait. Il n'y a pas de combat duo ici. Hein. Oh, il est obligatoire lui. Oh, s'il te plaît. Je voulais pas aller soigner au centre Pokémon.
Ça ferait beaucoup trop d'aller-retour. Oh, elle avale tout. Ah bah non, j'ai extra ascenseur, c'est bon. Ah, je pense pouvoir le prendre en un coup. J'espère. Oh non, bah, ça a été vite pourtant. Bizarre ça. Oh mince, je sais pas si je le tue. Ouais, il m'en faut 3. Merci, merci de ne pas m'en donner 2 quand il en faut juste 3. Merci beaucoup. Parce que ça arrive souvent, hein, vraiment. Scorplane qui monte, qui finit par rattraper Dimoclès, hein. Ça va arriver. Ça c'est juste un objet je crois. Ah non, elle est obligatoire. Mais écoutez, on va la combattre. Est-ce qu'on en termine là-dessus? Je ne sais pas. Elle a 2 Pokémon. Ah non, on peut peut-être encore aller un petit peu plus loin. Grayena, d'accord, pas de réel danger. Je m'en fous, je compte pas utiliser mon physique. Enfin, mon attaque physique. Te fous pas de moi. En un seul même, je pense que c'est bon. Ouais. Parfait. Dracarmin. Non. Non, 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 non. Ah, j'ai cru que... Ah non, parce que je me suis dit, il est pas tombé KO. Ça, il est bulky, hein, Dracarmin. J'y vais pas avec Laser Glass pour les PP, parce que je sais que je le mets KO, mais bon. Je change pas grand-chose, vraiment. Mais écoutez, on va en rester là pour cet épisode, après ce combat épique. Pas beaucoup de suspense. Je veux bien le concevoir. Mais une gestion exceptionnelle. Oh là là, tout le monde monte de niveau, c'est incroyable. Mais écoutez... J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes autres vidéos. Bah écoutez, je vous fais comme toujours des bisous. Je vous dis à une prochaine. Des bisous. Bye bye.